Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer ce matin avec Aimé et sa sœur Lynn pour commencer. Nos deux héroltaises reviennent pour la deuxième fois et joueront contre Karine et Isabelle ce matin. Karine et Isabelle de Nancy. Karine est à la recherche d'un emploi, elle aime faire des puzzles, elle aime également aller au cinéma. Isabelle est employée commerciale et elle joue au poker. Bonne chance à toutes les quatre. S'il était une main au poker, il serait évidemment une paire d'as ou une paire de rois. Merci d'accueillir Thierry Beccaro. Pas mal ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous retrouver, comme tous les jours de la semaine, vous le savez. Nous allons jouer aujourd'hui avec deux sœurs qui sont formidables, qui sont d'excellentes candidates. Il faut juste qu'elles jouent un petit peu plus rapidement. Lynn et Aimé, de Frontignan. Ça va, vous avez des nouvelles de la famille? Tout le monde, on est plutôt content, d'après ce que j'ai pu glaner comme information, de votre partie précédente. On espère mieux. Ah, mieux, c'est oui. Voilà. Vous êtes exigeant, Thierry. C'est tout ce que je peux vous dire. On a eu les habitants de Frontignan et tout le monde est réuni devant son écran. Et on vous souhaite bonne chance. Merci. Ils ont mis un écran sur la place de la mairie et tout le monde est là. C'est leur finale de Coupe du Monde, un peu, à eux. Allez, Lynn, allez, Lynn, allez, Aimé, ouais. Tout ça qui résonne dans la ville, imaginez. Isabelle, bonjour. Bonjour, Thierry. Comment ça va, Isabelle? Très bien, merci. C'est la première fois que vous jouez avec nous? C'est la première fois, vous, oui. Vous venez d'où? De Nancy. Qu'est-ce que vous faites à Nancy, Isabelle? Je travaille dans la grande distribution. Très bien. Et vous, Karine? Donc, moi, je suis aussi de Nancy et je suis à la recherche d'un emploi. Dans quel... Donc, moi, c'est plutôt la recherche en biologie. En biologie. En biologie, vous avez mal entendu, donc comme vous avez pu le constater. Qui s'occupe de... qui fait des puzzles? C'est moi. C'est vous? Oui. On a rencontré un candidat qui faisait des puzzles de... chez 14 000, 10 000 pièces, je ne sais plus exactement. Mais oui. C'est... Bah, j'en ai acheté un, mais en fait, je n'ai pas pensé à regarder la taille du puzzle. Et en fait, il faut une pièce complète pour le faire. Donc, pour l'instant, il est encore dans la boîte. Il faut une pièce complète. Il fait 3 mètres sur un... Et ça représente la mer Méditerranée, donc vous voyez le genre. Pas facile. Sans les vagues. Ça doit être 12 000 pièces. Ah, c'est énorme. Mais il est dans la boîte encore pour l'instant. Ah. Mais sinon, vous avez déjà réalisé des puzzles. Ouais, 1500, 2000. 1500. Le ciel bleu et la mer. Voilà, souvent c'est ça. Ouais. Alors là, vous devenez fou. Karine, Isabelle, là, ça va être un peu plus simple. Quoique, avec la grille que voici, Karine, Isabelle, vous pouvez marquer 100 points supplémentaires. À condition, bien sûr, de prendre les bons numéros. Vous les alignez horizontalement, verticalement ou en diagonale. Vous marquez 100 points. Si vous tombez sur le numéro 45, c'est le numéro magique, vous le mettez de côté. Et au cas où la boule noire fait son apparition, ou ferait son apparition, vous pourrez continuer à jouer. Même principe pour Aimé et Lynn. Et le numéro... qui fait rêver, c'est le numéro 36. Voici le montant d'une très grosse cagnotte, ah, Tom. Très très belle cagnotte, Thierry. Il y a aujourd'hui 6000 euros à gagner en super partie. Je pense que ça vous ferait du bien, Karine. Oui, c'est sûr. J'ai cru comprendre. Mais avant de repartir avec 6000 euros, il faut déjà jouer avec des mots de... 7 lettres. 7 lettres. Karine, c'est parti, bonne chance. Lapines, L-A-P-I-N-E-S. Lourdes, L-O-U-R-D-E-S. Largeur, L-A-R-G-E-U-R. Laideur, L-A-I-D-E-U-R. Voilà. Tout va bien, Karine. Vous mélangez, s'il vous plaît. Lapine,
Le 69. Le 69. Isabelle. C'est à Karine de jouer encore une fois avec la lettre P. Patient, P-A-T-I-E-N-T. Patate, P-A-T-A-T-E-S. Prise. Trop tard. Oui. Alors c'est à Aimé de jouer avec la lettre bonus. Le O. Poterie. P-O-T-E-R-I-E. Bravo Aimé. Aimé, vous allez mélanger s'il vous plaît. On embrasse Aurélie d'ailleurs. Vous vous souvenez ? Pas oublier Aurélie. Aurélie la potière. Aimé, pendant ce temps-là, est tombée sur la boule noire. Aurélie, elle était là la dernière fois, avec son papa, Karl. Et évidemment, on les salue, on les embrasse très très fort. Karine, nous cherchons un mot de cette lettre, commençant par R. Ragout, R-A-G-O-U-T-S. Rigueur, R-I-G-U-E-U-R. Récent. R-E-C-E-N-T-S. Région, R-E-G-I-O-N-S. Rigoler, R-I-G-O-L-E-R. Régaler, R-E-G-A-L-E-R. Le A, il était tout là-haut. Le A de régaler. Karine, allez-y, s'il vous plaît. Le 61, 100 points. Le 25. 45, c'est la boule magique. Allez-y, Isabelle. 53. 100 à 50 pour l'instant. C'est reparti pour Karine. Voici le A. Asseoir, A-2-S-E-O-I-R. Ampleur, A-M-P-L-E-U-R. Aisance, A-I-S-A-N-C-E. Jusque-là, tout va bien. Karine, vous mélangez. Le petit jusque-là qui doit porter la poisse. Une boule noire pour Karine et Isabelle, et c'est bien pour Aimé qui va essayer de marquer 50 points de plus avec la lettre C. Commerce, C-O-M-E-R-E-S. Ah oui, Là, il y a faute. Désolé Aimé, tant mieux pour vous Karine. Voici la lettre H. Chimère, C-H-I-M-E-R-E. Culmine, C-U-L-M-I-N-E. Participe passé. Eh oui, culminé. Désolé Isabelle. Aimé. Vous allez récupérer la lettre A. Chômeur, C-H-O-M-E-U-R. Chameau, C-H-A-M-E-A-U. Chambre, C-H-A-M-B-R-E. Chamade, C-H-A-M-A-D-E. On va y revenir, tiens, à ce mot. Chamade. Mon cœur bat la chamade. Voilà, une petite pensée émue pour Lynn et Aimé. Vous mélangez, puis on s'intéresse au mot chamade.
Allez-y, Lynn. Oui. Elles sont plus lourdes aujourd'hui. 56. On vous a mis des boules en plomb. Et on n'imagine pas ça à la maison. 20. On n'imagine pas ce que c'est le boulot des candidats sur le plateau de Motus. Alors la chamade, Tom. Alors dans une ville assiégée, en fait, c'était une batterie de tambours qui annonçait le fait de vouloir capituler. Voilà. Donc en cœur bat la chamade, c'est quand il bat très très fort. Voilà. Mais c'était bien d'avoir la définition exacte de ce mot qu'on utilise assez souvent. Pour autant qu'on soit amoureux et que notre cœur batte la chamade, évidemment. C'était beau ça, non, Tom? C'est magnifique, Thierry. Mais c'est une belle image, parce que quand son cœur bat la chamade, généralement, on capitule face à l'être aimé aussi, un petit peu. Voilà. Ah oui, alors là. Ça va en ce moment, Tom? Un petit moral, non? Je vais sortir mon violon et... C'est à vous de jouer, s'il vous plaît, avec la lettre B. Bizarre, B-I-Z-A, 2-R-E. Bazar, B-A, 2-Z-A-R-D. Non, pas 2-Z. Ça, c'est un grand, grand bazar. Oui, grand bazar. Ah oui, avec 2-Z, 2-R, 2-D. Non. Karine, le R. Bronze, B-R-O-N-Z-E-S. Balisé, B-A-L-I-S-E-R. Bretzel, B-R-E-T-Z-E-L. Tenez, Isabelle, je sens que vous avez envie de mélanger. Le 61, le 45. 51. 51. Oui, 51. Et là, voilà, ça y est. 100 points de plus pour Karine et Isabelle qui mènent à présent 300 à 100. C'est un petit peu plus compliqué pour Aimé et Lynn. Bon, c'est pas terminé. Nous changeons les grilles et nous jouons avec Isabelle.